Salut salut les amis, c'est Dicoy et pour cet épisode numéro 13, je suis accompagné de Rinchan. Ouais, on se disait, à mon avis, je vais leur manquer, hein, parce que bon, ils m'ont pas encore assez eu dans Dragon Quest, alors je me ramène encore. Ah là là. Et donc, on se retrouve donc, comme je l'ai dit, pour la 13e de Dragon Quest. Porte cher ou porte malheur. The Kingdom of Yes, Fate. T'en fous pas ton fou, moi. Alors, précédemment, on s'était baladé dans toute la ville de Traverse. Et là, je m'amuse à faire n'importe quoi. J'essaie de faire morfler mes deux compatriotes. Mes chers compatriotes, morflez avec moi. Morflons. Et donc, on a découvert la serrure de Traverse. Mais avant, on a quelque chose à faire. Enfin, un petit quelque chose à voir. Sur le côté du comptoir, là. Pinocchio! Coucou! Tiens, tiens! Oh, oh, oh. Si je m'attendais à ça, mais c'est ce cher Pinocchio! Oh, salut, Jiminy! Mais enfin, qu'est-ce que tu fabriques ici? Je joue à cache-cache. Oh, je n'en crois pas mes oreilles. Et dire que j'ai passé toute la nuit à me faire du souci pour toi. Mais toi, Pinocchio! Pinocchio, est-ce que tu me dis la vérité? Oui. Alors dis-moi, qu'est-ce que c'est ça? C'est un cadeau. Ne mens pas. Tu sais que c'est pas bien de mentir. Un mensonge aussi jusqu'à devenir aussi voyant que le nez au milieu de ta figure. Retenez ça, mes amis. Mais si on veut quelque chose, pourquoi attendre? Pourquoi ne pas se servir? Oh mais, qui t'a appris ça? Tu dois d'abord écouter ta conscience. C'est vrai, tu es ma conscience, Jiminy. Tant que tu seras avec moi, je ne mentirai pas. Franchement, je ne veux pas avoir un criquet comme conscience. Ouais. Bon après, en théorie, la conscience c'est dans la tête, donc ça va. Là, la conscience elle est libre. Pas comme dans Dragon Quest. Tu as promis à Gepetto d'être gentil, non? Oh, est-ce que tu sais où est Père? Il n'est pas avec toi? Jiminy, allons trouver Père. Ah, attends, il y a trop de dangers et de tentations dehors. Je vais aller chercher Gepetto, attends-moi ici. Ces jeunes gens vont m'aider. Ah bon? Pourrais-nous demander notre avis? J'avoue. Alors, on y va, Sora? Tu aurais pu nous demander avant. Voilà, exactement. Bon, voilà. Quand Jiminy est là, je ne mens jamais. C'est pour ça qu'on l'embarque avec nous. Et hop. Et donc, on va se préparer car on va aller examiner la serrure. Alors, j'en ai profité hors cam pour gagner quelques niveaux. Et pour fabriquer le nouveau modèle de Riveloo. Je l'ai vu, le nouveau modèle, c'est plus du tout le même, là, hein. C'est... Changement total. Vous verrez. Alors, potion, méga potion, c'est bon. Donald, je vais te filer 3 potions. Alors, les éthers, je vais les économiser parce que ça coûte cher, puis j'ai vu que j'ai plus que 59 menides. Puis Dingo, je vais te blinder avec, 4 potions, ça suffira. Et puis on peut y aller. Yeah. Bonjour Syl. Au revoir Syl. Qu'est-ce que tu fais? What? Alors si je me prépare, c'est que il va y avoir quelque chose à faire. Forcément. Voilà, je verrai un peu mieux l'écran maintenant. Et voilà, on arrive vers la serrure. Oh, la serrure. Oh. Oh. Hey. Oh. Salut. Je me suis... Armure gardienne. Tu vas encore te battre. Je sais toujours pas qui va te faire démonter. Tu ne tiendras pas longtemps. Tu
Il n'aide à rien, c'est ma petite puissance. Bah, déjà fini. Et voilà. Et ben. Et ben, quoi? C'est bien genre, hein. Petit tour de manège. Manège. I am. Inverse de. Et voici l'armure inversée. On le dit comment en anglais? Inversée, c'est reverse. Et armure armor. Reverse armor. Je sais pas si je... Après, je sais pas si le nom du chanteur en anglais est vraiment ça. Bon, on va dire que. Alors là, franchement, je suis en voie de boue. Ouais. Yeah. Une pluie de HP. De HP, ouais. Je veux dire que c'est HP, pareil. Yeah. Et encore un morceau en moins. Allez. Oui. Où il est? En fait, je l'aurais cru plus difficile. Waouh. C'est pas faux. Quelle esquive! Oh là là! J'ai pas la place! Veille! Fais que ça! Bah tu l'as mis en colère aussi! Yeah! Yeah, ici! Salafi! Non, je veux pas. Give the page and. Haha. C'est des petits prennent à ma place. Bon, petite récupération de HP. Yeah. C'est moi qui vide, mais. C'est mes petits prennent, c'est génial. Il est bientôt mort. Plus qu'un coup. Oh. Tiens. Oh yeah. 15 objets et accessoires. Ah mais c'est bien ça. Ils ont peut-être la surface. Ah oui, en effet. Un prix rafale. Ça, c'est un sort que j'aime. Là. Allez, la routine. On verrouille. Verrouillage. Tadam. Encore des papillons. Papillons de lumière. Désolé, c'était trop tentant. Je m'en doute, je sais pourquoi. Oh mon dieu. La Flanders Company a déjà sur moi. Oh mon dieu. On a réussi à éclater l'armure inversée et à verrouiller la serrure de traverse. Oui-ha ! Ce qui veut dire qu'on va pouvoir partir... En avant pour le Rivlou ! On va faire un petit tour en Rivlou vers le Nouveau Monde. Yeah. Allez les mecs, suivez-moi. Ah, on va en profiter pour mettre les cartes postales. Tiens. Carte postale numéro 4, Megaether. Carte postale numéro 5, Mithril. Voilà, ça nous en fait déjà 5 sur 10. Je sais à peu près où sont les autres, mais là, on va se barrer direct. Parce que ça risque d'être un peu chiant. Surtout celle du troisième quartier. Il paraît qu'il y a des tournois au Colisée d'Olympe, alors là, ne pas faire le coin et ne pas y aller tout de suite. Et il paraît que le vainqueur remporte un superbe prix. Bon, quoique vu... Ah, vu l'XP que j'ai fait, non, mais on va quand même aller comme ça. Allez, on se barre vers ce qu'on appelle un trou cosmique. Qu'est-ce que ça va être? Eh ben, vous allez le voir maintenant. Donc, voici le nouveau Rivlou. Du gros bourrin terriste maintenant, de moto. Lourdement armé. Plein de laser. Carte réacteur. Ça va légèrement plus vite.
quand même, hein. Ouais, je dis léger. C'est pas compliqué. On bourrine. Et on bute tout le monde. Et on peut récupérer quand même vachement plus de... De machin. De blocs. Ah, voilà le trou cosmique. Trou cosmique. Yeah. Étrange ce trou. Il mène peut-être à un autre monde. La théorie du trou noir. Empruntons-le. Tadam. Hein? Vous ne restez pas au réseau. C'est le vaisseau de Tristory. Oh la vache. Là c'est de l'efficacité. J'ai quand même récupéré un paquet de blocs là. Ouais. Petite accélération de la musique. Qui indique qu'on se trouve donc. On va dire une espèce de nouveau système solaire. C'est un groupe de planètes. On va dire ça. Ouais, un nouveau système solaire. Tu peux le faire comme ça. Et on arrive vers le nouveau monde. Bouin. Agrabah. Et voici donc Agrabah. Avec la tête de tigre en tout. Ouh. Il y a le sang qui lui monte à la tête dessus. Blague pourrie. C'était nul. Allez, on va descendre. Bien digne de nous deux, tu me diras. C'est pas faux. C'est pas faux, Carceval. Et la serrure ? Les Sans-Cœurs sont déjà à sa recherche. Je suis sûr que nous la trouverons bientôt. Mon méchant préféré, dans ce jeu. Donc il ne reste plus que... Il y a une de ses voix. Ouais. Moi, mon méchant préféré, je pense que oh, c'est... Jafar, j'ai vraiment cherché Jasmine le boss dauphin. Elle a disparu comme par enchantement. Cette fille cause plus de tracas qu'elle ne le mérite. Moi, je parle au niveau du jeu d'acteur. Tu as dit que tu avais même si la situation en main. Le petit monologue du boss de fin est pas si mal non plus. Tout se dissimuler. Ouais. Mais pourquoi s'inquiéter pour la princesse Jasmine ? Avec ou sans elle, ce monde sera à nous quand nous aurons trouvé la serrure. Parce qu'elle en a besoin, nous idiot. Nous avons besoin des 7 princesses de cœur pour ouvrir la dernière porte. Sinon, nous échouerons. Eh bien, si la princesse est si importante, nous la trouverons. C'est le sûr. Trouvez Jasmine et ramenez-la-moi sur le champ. Manquerait plus que son portable sonne. Ne plonge pas trop longtemps dans les ténèbres. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est Kingdom Hearts abrégé. Les insouciants. Donc sur la chaîne d'Anonyme GT, donc je vous conseille d'aller voir, c'est franchement excellent. Ouais, j'ai bien aimé. Ils ont fait Kingdom Hearts 1 et Chain of Memories. Donc là, plus que mon portable sonne. Eh merde. Coucou. Donc on est déjà accueillis comme il se doit. Bonjour. Ça suffit. Ah oui, j'avais oublié que... Ici, le coup de grâce est chiant en placé à cause des murs. Donc je vais peut-être le désactiver. Ah, merci Donald. Alors ça, c'est pas de refus, tu vois. Voilà. C'est bon. Je vais en profiter vu que j'ai obtenu
Alors, je vais mettre glacier sur triangle et rafale sur carré. Donc ça, c'est mes habitudes, hein, donc chacun fait comme il veut. Par contre, là, Donald... Ouais. Non, je vais laisser comme ça pour l'instant. En fait, je fais de carrosse sur le jeu DS Kingdom Hearts Recode. Quand j'ai eu Rafale, je me suis dit, ouais. Oh ouais, cool, d'avoir un bouclier. Du coup, je l'utilise. Ah, oui. Et quand tu l'utilises... Ça fait une sorte de boule comme pour brasier, mais avec du vent. Donc, ouais. What the fuck. Mais faut déjà avoir joué à d'autres jeux pour comprendre. Rafale, c'est le Kingdom Hearts 1 et le seul jeu où Rafale crée un bouclier. Nul. Dans Kingdom Hearts 2, ben, c'est le sort miroir. Yeah. Agrabah. Pour les passionnés de plateforme, c'est génial. Bon, dans ce jeu là, pour les morceaux de plateforme. Oh. J'ai pas eu le temps. Épisode 13, plus moins égal big fail. Je refuse. Oh, pauvre petit gougou. Oula. C'est rien. Rien. Quelqu'un qui est mort? Non. Non. Presque. Presque. Oh. Mais laissez-moi tranquille. C'est la personne qui a failli décéder. Tu seras entendu sur le net. Bien. Bien. Alors cassez bien les vases dès que vous les voyez. Y'a un objet. C'est bon. Ça c'est chiant quand c'est à la limite d'une map. Bien. Voilà, alors là, c'est le petit stock de menise. Salut les ombres. Bien. Viens ici. Viens ici, couchez. Je vais tenter l'intimidation. Potion. Bonjour. Oui. Ce n'est pas possible. Ok. Ben je crois que on va pas tarder à se laisser sur du fail. Oh là là, non, c'est pas possible. Lol. Je suis pas d'accord. Je refuse de perdre encore une fois. Mais saloperie. Tiens. Par contre, le défoncé là. Je vais éviter de... Je vais me soigner dès que je tombe en dessous de 50% à peu près, hein, je pense. Éviter de faire le con, hein. Ouais, ça ? Ah bah oui. Je t'avais pas vu, toi. Yeah ! HP max augmenté. Oh yeah ! Là, ça fait plaisir. J'ai oublié... Je suis en train de me rendre compte d'un truc. Compétence, dingo. Eh oui, je n'ai pas désactivé l'attraction. Je me disais bien que je récupérais pas grand chose, moi. Donc voilà. C'est lui qui récupère en fait toutes les sphères de HP dès que j'en ai besoin. Et on va aller par ici. Alors ici, on a d'abord un coffre ici. Des dalmatiens. Ouais! Encore un coffre là. Mégalixir, ça c'est bien. Là, on libère le tapis qui était en train d'agoniser sous le meuble. Le tapis s'est envolé vers le désert, mais explorons encore la ville. Voilà, Donald, il y a un truc pas normal, on va éviter d'y aller. Et donc là, on a une petite serrure. Yeah. Ça, c'est marrant. N'importe quelle serrure, quand Sora l'ouvre, il utilise sa Keyblade de loin. Là, non, il est obligé de la rentrer dedans. Bref, ben on va se laisser là-dessus. Ben j'espère que cet épisode vous aura plu. Commentez, partagez, aimez. Comme d'habitude. Donc on se retrouve assez rapidement pour la 14e.
D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la suite de Kingdom Hearts. Allez, salut.